Il est dit ceci, le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien sur du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. 14. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel dira. Prions. Ô notre Dieu, Père céleste, la lecture de ta parole, Seigneur, déjà bénit nos âmes. Et nous remplit, Père céleste, de joie. De voir, ô notre Dieu, la position ferme que ton serviteur, le prophète Michée, avait prise vis-à-vis de ce messager pour n'annoncer que, Seigneur, ta parole. Et tes enfants ici présents sont venus, ô notre Dieu, pour écouter ta parole qui est la vérité qui nous a franchis de l'esclavage du péché. Amen. Père, nous ne voulons pas venir ici, Seigneur, pour écouter des paroles séduisantes ou les discours persuasifs des hommes qui vont nous entraîner, Seigneur, à la mort. Nous sommes venus ici, Père, pour écouter, ô notre Dieu, la parole de vie. Ainsi descend, ô notre Dieu, selon ta promesse, par le Saint-Esprit, pour la vivifier, pour la porter, afin que nous tous, Père, nous puissions bénéficier, car nous te prions ainsi avec foi, au nom de notre bien-aimé Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Malgré qu'une bonne partie d'entre nous, n'est-ce pas, est partie, mais nous sommes là, n'est-ce pas, pour soutenir la cause. Alors, en lisant, n'est-ce pas, cette écriture, nous avons commencé à étudier cela le vendredi. Le frère Branham a prêché cette prédication intitulée « Les prophètes Michée ». Et donc, nous avons lu, et je vais relire, les paragraphes 18, à partir du paragraphe 18, il a dit ceci. Cela remarque, n'est-ce pas, que le fils du frère Branham, n'est-ce pas, lui avait fait dit, « Eh bien, juste pour un court message, Billy m'a complimenté hier soir, disant que j'ai terminé après environ 35 minutes. 35-40 minutes. » Je prenais 2 heures ou un peu plus. Mais il a dit, vous faites bien. Si vous pouvez diminuer cela de 20 minutes, ce sera mieux pour les gens. Alléluia. Amen. Mais je crois peut-être qu'ici, nous avons les mêmes dispositions d'attendre une prédication qui va durer 35 minutes. Ou 20 minutes. C'est plus court, comme ça on a fini et puis vite on rentre à la maison.
Et ça, c'est la remarque que, n'est-ce pas, Billy Paul, le fils du prophète, a adressée à son père. Il dit, papa, vraiment, tu commences à faire du succès. Tu as fait un message pour des 35 minutes, 45 minutes. Vraiment, c'est bien pour les gens. Si tu es, n'est-ce pas, à disposition des cœurs des gens. Écoutons les frères Branham. Et je dis, eh bien, ce sera difficile pour moi. Et ainsi, vous voyez, un peu difficile. J'ai beaucoup à prêcher parce que j'ai un très grand Seigneur qui vient. Et j'aime tellement la chose que je continue à en parler. Vous avez suivi la réponse du frère Branham? Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'on prend? On prend la réponse du frère Branham ou on prend la remarque de Billy Paul? Alléluia. Il dit c'est difficile parce que j'ai un grand Seigneur qui vient. Le Seigneur Jésus-Christ vient. Alléluia. Amen. Ceux qui aiment la coupe du monde, je vous dis déjà, les matins ont commencé à parler de la coupe du monde. Et ils font des commentaires dans tous les sens à propos de ce qui se joue, de ce qui se passe, et des équipes d'Espagne qui gagnent, et ainsi de suite. Tous les programmes de la coupe du monde sont en train de défiler. Ils savent à quelle heure, et chacun a pris ses dispositions pour ne pas manquer les matchs. Alléluia. Amen. Mais nous, nous attendons un grand Seigneur qui vient. Amen. Alléluia. Amen. Si bien qu'il est difficile de limiter à 20 minutes, 35 minutes, n'est-ce pas, une prédication. Amen. Nous allons laisser, n'est-ce pas, au Saint-Esprit de nous parler de sa venue. Alléluia. Amen. Oh, parce que heureux ceux qui attendent sa venue. Amen. Vous voyez, c'est notre époux. Amen. Et quand nous parlons de lui, nous sommes dans la joie. Ça me rappelle quand j'ai écrit ce message, une fois le pasteur Vimidil est arrivé à Kinshasa et il prêchait sur le sceau. C'était tellement bien un dimanche qu'il a fini à 13h ou je ne sais pas moi. Ah, mais comment il a fini, ce n'est pas encore terminé. Parce que nous, on voulait encore continuer et continuer. Il disait tellement de bonnes choses, n'est-ce pas, sur la révélation des sceaux. Mais comment il a arrêté? Voyez, on était toujours disposé à écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas pour autant qu'on va prolonger la prédication, ce n'est pas ça le but, mais soyons disposés, n'est-ce pas, pour écouter la parole de Dieu. Amen. Donc, ainsi, le prophète dit ceci, il dit, le paragraphe, n'est-ce pas, parlant, n'est-ce pas, du prophète Michée, dit, eh bien, à propos, nous voyons qu'il y avait en Israël, en ce temps-là, un roi du nom de Akab. Il était le roi d'Israël et à cette même période, Josaphat était le roi de Juda. Donc il y avait une espèce qu'on appelle un schisme. Le royaume d'Israël qui était un seul royaume était divisé en deux après la mort de Salomon. Et cela fait l'espoir qu'on a eu deux royaumes. Au sud, c'était le royaume de Juda avec deux tribus. Et au nord, le royaume d'Israël avec les 10 autres tribus. Juda avait comme capitale Israël, et Israël au nord, n'est-ce pas, avait comme capitale, je crois, Samarie. Alléluia. Amen. Pourtant, un même peuple. Mais on ne va pas revenir, n'est-ce pas, pour chercher les causes, nous connaissons les causes, pour essayer, n'est-ce pas, d'avancer, mais il y avait cette division-là. Alors, au nord, c'est Akab qui était le roi. Et si vous prenez la carte, n'est-ce pas, géographique, vous allez voir qu'au nord, si vous dépassez les frontières, c'est la Syrie qui est au nord, n'est-ce pas, d'Israël. Bien, Akab était roi. Au sud, c'est Josaphat qui était le roi de Juda. Mais tous étaient, n'est-ce pas, même peuple, le peuple d'Israël. Ok? Amen. Poursuivons. Il dit, et Josaphat était un homme juste. Un homme qui craignait Dieu. Et son père Asa, avant lui, était un homme qui craignait Dieu. Mais nous voyons qu'Akab était en quelque sorte ce que nous appellerons un croyant limitrophe. C'était juste un type qui allait un peu dans n'importe quelle direction que le vent soufflait. Eh bien, cela a emporté Akab. Donc, nous avons là deux rois. Josaphat, un véritable croyant, parce qu'il avait reçu l'influence de son père Asa. Voyez, enseigner à l'enfant la voie qu'il doit suivre quand il est encore enfant. Amen.
C'est notre devoir en tant que parents dans nos maisons de lire la Bible avec nos enfants, de leur apprendre à prier, de savoir par exemple que si tu dois aller faire ton examen qui est difficile, mais parle à Dieu dans la prière, sans oublier aussi d'étudier. Amen. Ne cherche pas à faire des petits copions pour aller tricher. Parce que si l'enfant commence à apprendre à tricher déjà, n'est-ce pas, quand il est petit, c'est fini. Il va croire que dans la vie, on peut tricher et réussir. Un jour, il sera bloqué. Et quand il sera bloqué, il va chercher d'autres voies. Il ira, n'est-ce pas, de mal en pis. Alléluia. Amen. Les enfants doivent apprendre, n'est-ce pas, à étudier, à travailler, mais sans oublier que malgré tout, il faut toujours remettre tout entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur, j'ai étudié, j'ai essayé de tout faire. Maintenant, je ne sais pas quelle sera la question au Dieu, mais assiste-moi. Je crois que les frères et sœurs qui ont étudié, à quelque niveau que ce soit, savent que celui qui se confie en Dieu ne sera jamais confus. Alléluia. Ça, c'est une évidence. Et c'est une écriture qui m'a toujours soutenu partout où je suis parti. Amen. Que celui qui se confie en Dieu n'est jamais confus. Alléluia. Amen. Ainsi, Josaphat, n'est-ce pas, avait reçu la bonne influence de son père Asa, un homme de Dieu, un autre roi avant lui, mais un homme qui créait Dieu, qui croyait que, alléluia, Amen, pour fortifier son royaume, oh, c'est tellement bon, il devait se confier en l'Éternel. Bien. Mais par contre, au nord, avec Akab, dit le frère Branham, nous le savons, a cru que pour pouvoir affermir, fortifier son royaume, vous savez que quand un homme n'est pas le pouvoir, il se pose toujours la question, comment faire en sorte que je puisse, n'est-ce pas, rester le plus longtemps possible. Alléluia. Et régner de façon que je ne puisse pas subir des guerres et des problèmes, et des révoltes. C'est ça la préoccupation de tout dirigeant. Même dans une église, comment, n'est-ce pas, tenir une église où, n'est-ce pas, j'ai des brebis qui sont soumises, qu'il n'y ait pas de contestation, ainsi de suite, mais confie-toi en l'Éternel. Amen. Maintenant, lui, il a cru que pour pouvoir avoir un royaume, n'est-ce pas, affermi, fort, il devait, n'est-ce pas, avoir, faire un mariage d'intérêt. Il a regardé au nord, plus au nord, il a vu, n'est-ce pas, la Syrie qui était une grande puissance, avec une armée forte, et qui était un ennemi permanent, n'est-ce pas, pour Israël. Si vous lisez la Bible, vous verrez que beaucoup de fois, les Syriens attaquaient, n'est-ce pas, le royaume d'Israël. Alléluia. Amen. Mais d'où venait la force d'Israël? Alléluia. Amen. Lorsque les rois de la Syrie réunissait, n'est-ce pas, son conseil militaire pour attaquer Israël, il y a dans Israël un Dieu vivant. Alléluia! Oh, merci Seigneur! C'est ça la force, n'est-ce pas, de l'église. Ça s'ouvre. Le diable sera toujours là. Amen. Les problèmes seront toujours là. Les démons seront toujours là. Les difficultés, les obstacles seront toujours là. Alléluia! Amen. Et confiez-vous en l'Éternel. Amen. En Israël, il y avait un Dieu vivant représenté par son prophète Élisée. Alléluia. Amen. Parce que quand il y a un prophète dans le pays, c'est Dieu qui est là. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu invisible. Amen. Et il est représenté dans un homme. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. C'est ça notre force. Amen. La force que nous avons dans ce message, c'est parce que nous avons un prophète dans le camp. Amen. Alléluia. Amen. Ne croyez pas que ces hommes dont nous parlons étaient vraiment extraordinaires. Non, ils étaient des hommes comme vous et moi. Même nature que nous. Des hommes de même nature que vous et moi. Amen. Oui. Donc nous aussi, ces gens-là, dit la Bible, n'est-ce pas, regardez à nous au temps de la fin. Amen. Parce qu'ils savaient qu'au temps de la fin, nous allons recevoir quelque chose de plus glorieux. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous voyez, quelque chose de plus glorieux qu'eux n'ont pas eu. Ils regardaient vers nous. Amen. Et nous, souvent, nous croyons qu'ils étaient plus avantageux. Non, c'est nous qui sommes les plus avantageux. Amen. Parce que nous avons beaucoup reçu. Amen. Voyez-vous, nous avons tout. Mais nous sommes ignorants de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Et ce message est prêché justement pour pouvoir réveiller en nous, n'est-ce pas, ce que Dieu nous a donné. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le réveil. Mes frères et sœurs, nous avons des choses merveilleuses. Amen.
Je vois ici parmi nous, il y a des frères et des sœurs qui ont des expériences merveilleuses. Amen. Que si c'était écrit, n'est-ce pas, écrit dans la Bible quelque part, vous demanderez, mais c'était quelle sorte d'homme? Alléluia. Pourtant, c'était des frères comme nous sommes assis ici. Alléluia. Il y avait en Israël, n'est-ce pas, un prophète en la personne d'Élisée. Donc, quand les Syriens projetaient d'attaquer Israël, Élisée, prophète de Dieu, une sentinelle. Alléluia. Oh, frère, j'aime beaucoup cela. Une sentinelle est placée au niveau le plus élevé. Ce n'est pas par sa volonté. C'est Dieu qui l'a placée sur cette position-là. Alléluia. Mais comment vous allez dépasser, n'est-ce pas, cet homme-là? Impossible. Dieu, que vous soyez. Que Dieu te bénisse. Voyez-vous, nous sommes obligés, n'est-ce pas, quand nous prêchons, de lire ce que le frère Branham a dit. Alléluia. Oui, lui, il a les yeux pour voir et nous n'avons qu'à répéter. Alléluia! Et si vous et moi, nous croyons, n'est-ce pas, ce que, n'est-ce pas, les yeux ont vu, frère, nous avons la victoire. Amen. Ça, c'est vrai. C'est tout ce qu'il y a à faire. D'exécuter fidèlement les instructions reçues, n'est-ce pas, de la sentinelle. Et donc, lui, il était chez lui à la maison, mais il voyait, il savait tout ce qui se disait là-bas. Et donc, il a révélé, il a fait, n'est-ce pas, le roi, il s'est dit, venez, il y a déjà un complot, il y a une guerre qui est en préparation. Alléluia. Amen. Le frère Branham nous a enseigné que vaincre l'ennemi, c'est connaître déjà ses intentions. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Et même entre les pays, ils ont des espions qui cherchent à connaître quelles sont les intentions des Russes à l'égard des Américains et vice-versa. Le frère Madame dit, même entre des pays amis, il y a toujours des espions. Alléluia. Amen. Mais nous avons un prophète assis dans sa maison, il sait tout ce qui se passe là-bas. Amen. Amen. Et il révèle au roi d'Israël, il leur dit, écoutez, ils vont venir, ils vont passer par tel endroit, vous mettez-vous, n'est-ce pas, à telle position. Voici comment vous allez les attaquer. Oh, merci Seigneur. Amen. Mais nous avons la victoire. Amen. Et la victoire est certaine, si bien que l'ennemi est troublé. Le diable ne sait pas comment nous avoir. Pourtant, en tant qu'État, nous ne sommes rien. Confiez-vous en l'Éternel, vous ne serez jamais confus. Amen. Oui, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Moi qui vous parle ici, les démons allaient me manger, les sorciers. Mais oui, je vous l'ai dit. Amen. Je ne suis rien du tout. Et tout était fin prêt. Je voyais la mort arriver, frère. Vous serez atteints, ça c'est sûr, c'est une guerre. Alléluia. Amen. Mais je dis à Dieu, Seigneur, moi je crois ce message. Amen. Si Dieu veut me reprendre par un accident, par une maladie, j'accepte, mais pas par les mains des sorciers. Amen. Je n'accepte pas. Amen. Et pourtant, c'était grave. Amen. Alléluia. Amen. Tenez ferme dans la parole de Dieu. Amen. Gardez la foi. Amen. Nous sommes des vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Alléluia. Donc lui, Acab, croyait qu'on s'est confiant, n'est-ce pas, en faisant un mariage, n'est-ce pas, d'intérêt, en épousant Jézabel, il allait, n'est-ce pas, signer une alliance aussi avec, n'est-ce pas, le père de Jézabel qui était roi en Syrie. Voyez-vous, c'est un calcul, n'est-ce pas, d'un incroyant. Amen. Le frère Madame dit que ça, c'est un croyant limitrophe. Amen. Quelqu'un qui limite Dieu, n'est-ce pas? Il dit que Dieu est capable de faire certaines choses, mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Donc moi-même, en tant que tel, je peux aussi, n'est-ce pas, y mettre du mien. Oh, mais priez, 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 priez. Amen. Et attendez que Dieu, n'est-ce pas, puisse agir. Alléluia. Amen. Un croyant limitrophe et tiède. Amen. Et il a épousé, n'est-ce pas, Jézabel, une femme dominatrice. C'est une malédiction dans une maison. Amen. C'est une malédiction, n'est-ce pas, dans une église. Amen. Quand la femme commence à prendre la place de l'homme, Amen. C'est fini. Ça, c'est vrai. Que Dieu te bénisse. Je vous dis, c'est fini. C'est la parole. Quand on commence à avoir deux têtes, ça, le frère Madame dit que Jézabel était, n'est-ce pas, le coup qui fait tourner la tête. Donc, tout ce qu'elle voulait, tout cela, Acab devait le faire. Jézabel, son père était un assassin. Son père avait tué, n'est-ce pas, le roi qui l'avait précédé pour prendre, n'est-ce pas, le pouvoir. Alléluia. Non, frère, on ne prend pas le pouvoir comme ça. Hein?
Mais non, hein. Non, 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 même dans la maison de Dieu, il ne peut pas commencer à faire des petits combats là. Des petits complots à gauche et à droite, des petits groupes, des groupuscules, des clans, pour fomenter quelque chose. Alléluia. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans la plupart de nos assemblées. Quelques frères, quelques soeurs vont commencer à parler, n'est-ce pas, d'un certain prédicateur, parce qu'il fait ceci, parce qu'il connaît, ainsi de suite. Alléluia. Et on commence à monter un petit coup. Contre, n'est-ce pas, la personne que Dieu a établie. Amen. Il faut faire attention. Ça s'ouvre. Et donc, lui, il avait, n'est-ce pas, assassiné de son prédécesseur. Il a pris le pouvoir. En plus, il était prophète, il était sacrificateur, n'est-ce pas, de Astarté et de Vénus, de Baal, un idolâtre. Ainsi, n'est-ce pas, sa fille Jézabel a reçu la même influence, n'est-ce pas, de la part de son père. Et donc, il fait un mariage d'intérêt. Or, le mariage d'un chrétien, il doit d'abord prier. Et chercher jusqu'à ce qu'un esprit puisse avoir l'assurance que Dieu qui me pousse vers telle femme. Et pareillement pour la sœur. Parce que le frère Branham nous dit ici, il va nous dire ici qu'il faut faire attention aux choses brillantes. Amen. Vous voyez? Amen. Les choses qui brillent pour impressionner, pour attirer, pour séduire. Et lui croit qu'il va avoir, n'est-ce pas, la force et la puissance dans son royaume en épousant la fille Jézabel d'un roi puissant. Donc il ne croit pas en la puissance de Dieu. Et Jézabel est entrée, n'est-ce pas, en Israël comme reine. Alléluia. Amen. Elle va occuper une position prépondérante. Elle ne veut plus, n'est-ce pas, rester à sa place en tant que simple reine. Non, 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 non. Elle veut jouer un rôle néfaste. Il va commencer à puiser, n'est-ce pas, dans les finances de l'État, du royaume, pour construire des hôtels et des temples pour Baal et pour Astarté. Alléluia. Amen. Donc, elle vient avec sa religion d'idolâtrie en Israël. Elle va introduire l'idolâtrie, n'est-ce pas, de la Syrie en Israël. Un autre système. Mais pour réussir, il faut construire, n'est-ce pas, des grands bâtiments, des bâtiments grandioses, magnifiques, qui attirent des choses, n'est-ce pas, qui attirent. Quand on regarde une grande cathédrale, c'est ce qui attire les gens. Alléluia. Et elle-même, sa vie va influencer les autres femmes parce qu'elle est placée au sommet de l'État. Avec l'espace rouge à lèvres, les autres femmes vont la suivre. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes des chrétiens. Un chrétien, c'est une lettre lue de tout le monde. Amen. Ce que nous faisons, les autres voient. Et ils vont nous copier. Qu'est-ce que nous laissons comme influence ? Regardez l'influence que cette femme apporte en Israël. Une seule femme qui pénètre en Israël va détruire, n'est-ce pas, le royaume de Dieu. Et entraîner, n'est-ce pas, une grande partie des enfants d'Israël à accepter sa religion. Parce qu'elle avait l'argent. Parce qu'elle avait le pouvoir. Parce qu'elle avait une position prépondérante en Israël. Parce qu'elle ne croyait pas. Et beaucoup, dit le frère Branham, n'est-ce pas, beaucoup de prédicateurs sont devenus tièdes. Ça, c'est vrai. Et il avait une femme qui s'appelle Jézabel, qu'il avait épousée uniquement pour fortifier son royaume. Et elle était idolâtre. Elle avait déchiré tout Israël. Et les prédicateurs étaient tous partis. Ceux qui étaient de très bons prédicateurs étaient devenus tièdes. Et presque eux tous avaient rétrogradé. Mais il y avait un vieil homme qui ne pouvait pas mener par le bout du nez, c'était Élie. Il n'était pas dupe. Amen. Ainsi, il est resté fidèle à cette parole. Et ainsi, il a prophétisé sur ce qui allait arriver à Akab. Amen. Vous voyez, c'est ça une sentinelle. Et lui aussi, c'est une sentinelle. Il pouvait discerner, comprendre que non, non, il y a un danger en la demeure. Et il s'est opposé à Akab et à Jézabel. Ce n'est pas facile d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Le frère Branham n'a pas eu une tâche facile aux États-Unis et dans le monde pour apporter ce message.
et s'adresser aux Américains et condamner l'immoralité chez les Américains. Condamner le rouge à lèvres. Condamner le port des pantalons, ce n'est pas une chose aisée de faire. Dans un pays où, n'est-ce pas, où on clame la démocratie. De quel droit vous allez vous tenir debout pour dire qu'une femme ne doit pas porter les pantalons? N'est-ce pas parce qu'il s'en est tenu à la parole. Amen. Les autres prédicateurs étaient devenus tiers. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont adopté la religion de Jézabel. Où les prédicateurs sont payés. Ils ont un salaire. Et celui qui vous paye, vous dépendez de lui. Amen. Vous ne suivez pas le système de Dieu. Maintenant, vous devez plaire à votre patron qui vous a engagé. C'est ça le problème. Et donc, ils n'ont pas le courage de condamner les péchés. Ce dont les gens vont partir. Et donc, ils n'auront pas. Il dit la parole de Dieu, devient, n'est-ce pas, un gagne-pain. Alors que la parole de Dieu est apportée pour les saluts des hommes. Alléluia. Et là, il y avait un vieil homme béni qui ne pouvait pas mener, n'est-ce pas, par le bout de nez. Et lui, il n'avait rien, pas de maison. Il dormait, n'est-ce pas, dans la brousse, dans les grottes. Regardez, n'est-ce pas, la vie dure que mène de ces véritables serviteurs de Dieu. À cause de la vérité. Jean-Baptiste passait, n'est-ce pas, ce jour, n'est-ce pas, dans la brousse. À cause de la vérité. Le frère Branham dit que j'ai choisi d'être pauvre pour ne pas dépendre de qui que ce soit. Amen. Alléluia. Amen. Non, il n'était pas tiré par les choses brillantes. Amen. Une fois, il avait prié, n'est-ce pas, pour une femme qui était cancéreuse. Cette femme était guérie complètement. Et cette femme et son mari dit, bon, écoute, frère Branham, nous avons déjà commandé pour vous une Cadillac. Donc, la meilleure voiture là-bas aux États-Unis. C'est pour vous. Les frères, non, ce n'est pas nécessaire. Laissez, j'ai déjà des femmes bien fortes de thé, de la haine, ici je l'ai, ça me convient. Il a refusé. Amen. Si avec les dons que le frère Branham avait, il pouvait accepter l'argent, mais il serait un milliardaire des milliardaires. Amen. Il pouvait dire, bon, j'assure, n'est-ce pas, pour ma postérité, tellement il y a un avenir radieux. Les dons qu'il avait. Mais regardez, nous ici, si moi j'ai quelque chose ici, mais j'ai l'argent, je commence à avoir de l'argent facilement. Je commence à voir l'argent facilement et les dupes, les histoires commencent à prévoir. Les frères, nous, non, j'ai choisi. Il a déchiré l'échec. Alléluia. Amen. Voilà l'homme que nous devons suivre. Amen. Le modèle que Dieu nous a donné. Amen. Quoi que l'on dise, il est incomparable en tant que serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère, quand j'ai le frère Branham dans tous ses choix, vous trouvez que non, cet homme ici, il était vraiment un homme avisé. Amen. Une véritable sentinelle. Parce qu'on va vous acheter, sans vous le dire, avec l'argent. Amen. Les choses séduisantes. Amen. Les ornements de ce monde ici. À un point que vous serez incapable de condamner la personne, n'est-ce pas, quand vous faites de là. Mais pour être libre, suivez le système de Dieu. Amen. Chacun paie sa dîme, je n'ai pas, n'est-ce pas, de dépendre de qui que ce soit. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout. Et c'est tout. Les prédicateurs sont devenus tiers à cause du système de la religion de Jézabel. Alléluia. Amen. Ainsi donc, un jour. Donc, vous voyez, tel est l'homme, tel est sa femme. Alléluia. Tel était Acab, et tel aussi était, n'est-ce pas, sa femme, Jézabel. Non seulement qu'elle a donné l'idolâtrie, mais c'est elle qui dirigeait. Les femmes ont dit que c'était elle, c'est elle qui était la puissance derrière le trône. Donc, c'est elle qui dirigeait son mari. Si bien que, même Naboth, qui était le voisin, l'espace du palais royal, ne voulait pas vendre, n'est-ce pas, sa portion, son héritage à Acab, qui voulait élargir un peu sa parcelle. Naboth dit non, ça c'est l'héritage, n'est-ce pas, de mes pères. C'est incessible, je ne peux pas céder cet héritage-là. Alléluia. Amen. Non, frère, nous ne pouvons pas céder la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un commence à jouer avec le message,
Tenez-vous ferme. Amen. Dites à la personne, frère, ce que tu dis là, montre-moi où ça se trouve. Amen. Que ce soit moi ou un autre. Dites, mon frère, mais ce que tu as dit là-bas, je n'ai jamais vu ça. Amen. Comme ça, si je trouve que non, alors je rejoins mon frère, excusez-moi, je crois que j'ai été un peu trop excessif. Amen. Ça, le frère Branham, je n'ai pas encore vu ça, ou le frère Branham l'a dit. Ce n'est pas pour rien que ce message est entre nos mains. C'est pour que lorsqu'il y a. Vous allez voir, hein, on va voir ça ici. Quand il y a un doute, chacun a le devoir d'aller vérifier. Le message est à la portée de nous tous. C'est une question de vie ou de mort. La mort a dit c'est l'héritage de mes pères. Je ne peux pas te le céder. Alors, à quand connaissant la voix de Dieu, est rentré tout triste à la maison. Mais sa femme, qui était la puissance derrière le trône, qui dirigeait la maison, il dit, mais pourquoi tu es si triste? Il dit, non, mais Naboth ne veut pas me vendre sa parcelle. Quoi? Et toi, un roi, devant un pauvre type comme ça, tu es triste. Laisse-moi, je vais te montrer comment on fait. Il est allé tuer Naboth. Comme on le fait, n'est-ce pas, en Syrie. Tel est l'homme, tel est sa femme. Amen. Donc le mariage n'y allait pas, n'est-ce pas, en regardant les choses, n'est-ce pas, qui frappent les yeux. Amen. Hein? Les choses qui nous impressionnent. Quand vous serez, n'est-ce pas, ensemble, l'homme et la femme à la maison, vous allez comprendre que non, le mariage, c'est autre chose. Amen. C'est plus que ce que moi je voyais dehors. Nous qui vous parlons, nous savons parce que nous sommes dedans. Alléluia. Amen. Mais quand vous êtes dehors, vous croyez que non, on ne veut pas de moi. Non, on vous aide. Amen. À ne pas subir les conséquences fâcheuses. Alléluia. Amen. Chaque homme voudrait, n'est-ce pas, être le plus beau, chaque femme la plus belle. Ce n'est pas un problème. Mais nous avons le conseil de Dieu. Amen. Cherchez le caractère. Amen. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, cherchez quoi? Le caractère. Amen. Et le caractère, pour l'avoir, il faut la parole de Dieu qui doit nous tailler. Alléluia. La parole de Dieu doit nous tailler. Amen. Doit nous façonner. C'est vrai. C'est la partie que les hommes aujourd'hui n'aiment pas. Regardez combien nous sommes là. Pour un message confirmé comme celui-ci. Amen. Combien viennent ici? Josaphat fut invité à visiter ce roi d'Israël. En fait, ils étaient comme des frères. C'est vrai, c'était des frères. Le roi de Juda et le roi d'Israël, c'était un peuple. C'était des frères. Et jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc Josaphat va rendre visite, n'est-ce pas, à son frère, Akab, roi d'Israël. Et c'est ainsi que le frère Madame nous montre ici. Il dit que Josaphat fut invité à visiter Akab. Écoutez, le paragraphe 22. Et Akab lui montra tous les ornements qu'Israël avait. Alléluia. Amen. D'abord, quand vous recevez, n'est-ce pas, un invité de marque, vous allez lui montrer, n'est-ce pas, des choses qui frappent. Il lui a montré tous les ornements qu'avait Israël. C'est-à-dire les grands bâtiments, les stades de football, je ne sais pas moi, les usines, n'est-ce pas, de construction automobile. Les choses qui frappent. Eh bien, c'est à ce moment-là, écoutez, le frère Branham dit, et c'est à ce moment-là qu'un croyant peut aller fréquenter les mauvaises personnes. Amen. Quand Josaphat est allé communier avec Akab, il est entré dans une mauvaise compagnie. C'est vrai. Et bien très souvent, les gens peuvent faire cela avec des bonnes intentions. Les gens n'ont pas l'intention de faire le mal. Je crois que beaucoup de gens ce soir sont dans les péchés, mais ne veulent vraiment pas faire cela. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Au départ, il n'y a pas de mauvaise intention. Il est allé, n'est-ce pas, rendre visite, n'est-ce pas, à son frère Akab, avec des bonnes intentions. Mm-hmm. Mais le frère Branham dit ceci, que c'est alors que, n'est-ce pas, il a fait une mauvaise compagnie. Mm-hmm. Une mauvaise fréquentation sans le vouloir. C'est vrai. Et c'est ce qui arrive, n'est-ce pas, à beaucoup de gens aujourd'hui. Mmh. À chacun de nous, ça peut nous arriver. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous voyons qu'ici, nous avons affaire à un véritable croyant, mmh, avec de bonnes intentions, mais qui va rendre lui, n'est-ce pas, à son frère. Toujours est-il que
la réputation de l'un et de l'autre était quand même connue. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Ah oui. Un chrétien laisse toujours des traces, n'est-ce pas, de ce qu'il fait. C'est vrai. Quand vous produisez des fruits de l'évangile, les autres le voient. Ah, ils en mangent. C'est vrai. Mais vous, ce sont des fruits. Oui. Le fruit, madame, dit, quand vous êtes avec un chrétien, vous aimerez rester le plus longtemps avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a de bons fruits. Amen. À partager avec vous. Amen. Voyez-vous, quand il vous parle, vous sentez que vous êtes vraiment à l'aise, vous ne voulez pas vous séparer. Amen. C'est ce qui doit arriver entre les frères et sœurs. Amen. Parce que nous avons des fruits que nous partageons, n'est-ce pas, ensemble. Mm-hmm. Quel fruit? La paix. Vous êtes chrétien, mais un chrétien manifeste la paix, c'est vrai. La douceur, amen. La joie. Amen. C'est des choses qui n'ont pas de prix dans ce monde ici. C'est vrai. Amen. Amen. Il faut vraiment dire, montrez-moi un magasin, on peut vendre, n'est-ce pas, un morceau de paix. Amen. Ou d'amour. Il y a des moments où, quand nous nous rencontrons entre les frères à l'université, mais on commence à parler sur du message. Et l'onction arrive, on ne veut plus, n'est-ce pas, se séparer. Amen. Alléluia. Amen. On ne veut parler que de ça et de ça et de ça. Vous sentez que non, le Saint-Esprit est là et tout le monde, n'est-ce pas, est vraiment affermi. Amen. Parce qu'on a parlé des choses qui sont, n'est-ce pas, bonnes. Amen. 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 Mais faisons attention, n'est-ce pas, aux ornements. Amen. Aux choses brillantes. Les ornements et les choses brillantes. Le frère Branham dit que les ornements, les choses brillantes, il dit que ce sont les singes qui sautent sur les choses brillantes. Il parle de ça de l'or de fou. Ça ressemble à de l'or. Mais on appelle ça l'or de fou parce que ce n'est pas l'or. Ça brille, alors que l'or, n'est-ce pas, doit rayonner. Et les chrétiens rayonnent. Alléluia! Les chrétiens rayonnent de l'intérieur à l'extérieur. C'est ça. Amen. Sa vie, n'est-ce pas, fait jaillir des rayons d'amour, des rayons de douceur, de patience, de longanimité. Il est prêt à pardonner tout, à supporter tout. Amen. Il ne cherche pas son propre intérêt. Amen. C'est ça un chrétien. Amen. C'est bien que quand vous les rencontrez, moi j'ai des frères ici, comme le frère Jacques, le frère Mathieu, je peux l'appeler, n'est-ce pas, à minuit, à 3h du matin, je vais la voir. Ou le frère Raymond, il va me rendre le service. Amen. Il sait que mon frère, n'est-ce pas, ton maîtresse, si je l'appelle à 7h, c'est la nuit, je sais qu'il va me rendre. S'il ne vient pas, je sais que bon, c'est qu'il est vraiment bloqué. Amen. Voyez-vous, c'est un chrétien. Amen. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour les autres. Amen. Il vit pour les autres. C'est une rose qui répand une odeur, n'est-ce pas? Un parfum de bonne odeur. Amen. Alléluia. Amen. Donc on se sent vraiment à l'aise quand on est avec cette personne-là. Amen. Il n'a pas, n'est-ce pas, les choses brillantes de ce monde, mais il a quelque chose en lui qu'on ne peut pas mesurer avec, n'est-ce pas, l'argent ou quoi que ce soit, amen, mais quelque chose, n'est-ce pas, de tellement grand, amen, qu'il a reçu de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il faut, madame, dire, faisons attention aux choses brillantes. Alléluia. Parce que il y avait Abraham d'un côté, il y avait aussi Lot. Lorsqu'à un moment donné, il y a eu la querelle entre les serviteurs de Lot et d'Abraham, Abraham aimant la paix, dit, oh, neveu, qu'il n'y ait pas la paix entre toi et moi. Moi, je n'aime pas, n'est-ce pas, qu'il y ait une atmosphère pourrie, des tiraillements et des disputes. Non, non, non. Tu es mon frère, nous avons le même sang. Je t'aime. Mais pour faire la paix, écoute, tu fais un choix. Parce qu'il a vu que le visage de son neveu, n'est-ce pas, avait changé. Quand on est ensemble, on peut déjà remarquer qu'il y a des choses qui commencent à changer. Amen. L'atmosphère change. Ouais. Okay? Le climat change. Amen. Les paroles aussi changent. Amen. Les propos deviennent un peu durs. Ouais. Tu poses la question, la réponse ne vient pas immédiatement. Ça te prend bien après. Non, je n'ai pas entendu. Mais il a entendu, il ne veut pas seulement répondre. Il y a quelque chose. Et vous sentez que non, 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 ici le courant ne passe plus vraiment bien. Parce que si le courant passe bien, il y a une attirance des deux côtés. C'est réciproque. On s'aide et on se soutient mutuellement. Alléluia. Bon, qu'il n'y ait pas de problème entre toi et moi, choisis.
Si tu vas au nord, moi j'irai au sud. Si tu vas à l'est, moi j'irai, n'est-ce pas, à l'ouest. Le frère Branham dit, il faut fuir les péchés. Amen. Alléluia. Amen. Il faut fuir jusqu'à l'apparence même du péché. Alléluia. Amen. Parce que le péché est attirant et séducteur. Pour pouvoir, n'est-ce pas, nous piéger et nous avoir. Maintenant, l'étant regardé, il dit que Rodka, il a regardé, il a vu, n'est-ce pas, la vallée du côté, n'est-ce pas, du Jourdain. Vous savez, là, il y a le fleuve, il y a la vallée. Et donc, le fleuve arrose, n'est-ce pas, les abords, et donc la végétation, n'est-ce pas, peut pousser facilement. Alléluia. Et donc, c'est plus facile d'amener, n'est-ce pas, son bétail là-bas et d'y vivre, parce qu'on a, n'est-ce pas, n'est-ce pas, l'herbe, n'est-ce pas, sans problème, sans difficulté. Il a regardé cela, il a dit que la plaine, c'était comme, n'est-ce pas, les jardins d'Éden, comme les pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Il a regardé, oh, mais ça, c'est merveilleux là-bas. Il y a le Jourdain, il y a, n'est-ce pas, la plaine. Donc, pour mon bétail, je n'aurai pas de problème pour le nourrir. Alléluia. Amen. À première vue, c'est un bon choix. Amen. Mais le frère, madame, dit, il faut fuir, n'est-ce pas, l'apparence même du péché. Amen. Derrière cette plaine, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Sodome et Gomorrhe. C'est ce qu'il n'a pas vu. Tu n'as pas cherché à voir. Parce que souvent, le péché est derrière, mais on veut juste l'ignorer pour accomplir les idées de son cœur. Mmh. Alléluia. Mmh. Mais un chrétien avisé, dit le frère Branham, doit fuir même l'apparence du péché. Amen. Comment le faire? Mais si tu as le Saint-Esprit, il va t'aviser. Amen. Tu ne peux pas, dit le frère Branham, faire un projet, faire un choix sans avoir prié. Un chrétien revient toujours, n'est-ce pas? Il a toujours un hôtel. Alléluia. Abraham, quand il est resté, il avait une tente et un hôtel qu'il avait dressé. Un chrétien a toujours un certain hôtel, un moment de prière et d'intimité avec Dieu. Pour lire la parole de Dieu, pour prier Dieu et connaître qu'est-ce qui se passe là-bas au ciel. Amen. Mais ne soyez pas simplement soit collé à la terre. Essayez, n'est-ce pas, de vous détacher, n'est-ce pas, de la terre. Ok, de prendre, n'est-ce pas, l'échelle de la prière. Alléluia. Amen. Et quand vous priez, priez parce que vous êtes un chrétien. Amen. Vous savez, les magiciens, les sorciers, ils font ça dans leur domaine. Ils ont des moments où ils doivent invoquer, n'est-ce pas, les diables. Et ça prend un certain temps. Chaque jour, comme on lui a limité à un tel heure, n'est-ce pas, ils commencent à invoquer, n'est-ce pas, ces idoles. Et ils respectent cela. Ils le font. Mais nous, chrétiens, il faut que nous puissions avoir, n'est-ce pas, un hôtel. Un moment de prière et de supplication. Amen. Pas deux minutes, comme dit le frère Branham, pour en sortir, n'est-ce pas, au lit. Tu vas prier juste, n'est-ce pas, à côté du lit, juste après, pouf. Non, tu te retires un peu à l'écart pour prier et tu prends, n'est-ce pas, de la hauteur. Parce que le frère Branham parle, n'est-ce pas, pour ceci. Nous avons vu cela, n'est-ce pas, la fois passée. Il nous parle, n'est-ce pas, de cette femme, Rosella Griffin. Involontairement, elle est tombée, n'est-ce pas, dans une mauvaise compagnie. Et elle est devenue, n'est-ce pas, alcoolique, prostituée. Elle est même, n'est-ce pas, allée dans le CNPP. Et ça ne marche pas. Elle était dans différents hôpitaux, rien ne marchait. Elle a cherché la délivrance. Impossible. Chaque fois, elle est revenue et retombée. Le frère Madame dit que même les médecins l'ont abandonnée parce que son cas était un cas difficile. Ça se vrai. Alléluia. Amen. La mauvaise compagnie, là où elle peut vous amener. À première vue, vous ne voyez pas où vous allez, mais elle est tombée très bas. Dans la prostitution, la drogue, l'alcoolisme, c'était fini. Jusqu'à ce que, dit le frère Branham, Dieu vient toujours, n'est-ce pas, à l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Il est toujours là. Amen. Parce qu'il nous a aimés bien avant la fondation du monde. Il nous a connus, il nous a prédestinés. Dieu ne compte pas, n'est-ce pas, ce temps d'ignorance. Non, il connaît, il sait où se trouve chacun de ses enfants, chacune de ses filles. Amen.
Alors Dieu envoie le frère Branham. Quand cette femme a rencontré le frère Branham, elle a commencé, n'est-ce pas, à raconter sa vie au frère Branham. Et le frère Branham dit ceci: ce soir, j'ai une amie qui est peut-être assise ici quelque part. Elle vient toujours. Et parce que vous tous, vous connaissez Rosella Griffin, elle était l'une des plus grandes alcooliques de Chicago. Le quartier des clochards n'avait plus d'emprise, n'est-ce pas, sur Rosella. Et elle est venue à la réunion d'amende. Vous voyez, c'est Dieu qui conduit, n'est-ce pas, ses enfants. Où que vous soyez, Dieu sait où il va, n'est-ce pas, vous rencontrer. Ça c'est vrai. Le frère Branham était à cette réunion-là et Dieu a conduit, n'est-ce pas, cette femme-là. Ça c'est vrai. Et là, le Saint-Esprit l'a appelé et lui a dit, et lui a tout révélé. Et elle fut délivrée de l'alcoolisme. Et maintenant, elle travaille dans des prisons et à d'autres endroits avec les autres alcooliques. Amen. Rosella, où êtes-vous, ma sœur? Êtes-vous dans les bâtiments ce soir? Oui, la voici, juste ici, une sainte de Dieu. Amen. D'une femme alcoolique, dépravée, dévergondée, mauvaise réputation, prostitution, aujourd'hui une sainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Bon. Écoutez le frère Branham. Elle a une personne aimable qui a donné sa vie et s'est abandonnée elle-même à Christ. Et maintenant, quand je l'ai vue venir à l'estrade, excusez-moi, sœur Rosella, elle avait des yeux vitreux comme une sorcière misérable. Oh, vous n'avez jamais vu une personne d'une telle apparence. Et je veux que, je ne dis pas ceci pour la flatter, mais ce soir, Rosella est une charmante et belle jeune femme. Elle a 15 ans, elle a l'air d'une jeune fille de 15-20 ans, plus jeune que ce qu'elle est réellement. Elle est une personne charmante et elle n'a plus jamais pris un verre d'alcool alors qu'elle était allée d'un hôpital à un autre. Elle est passée d'un médecin à un autre, elle a été chez les alcooliques anonymes de Chicago. Tous l'avaient abandonné comme un cas désespéré. Et la voilà assise ce soir, plusieurs années après. Grâce étonnante, quel doux sang qui se va et malheureux comme moi. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il y a lieu, n'est-ce pas, de célébrer ces grands dieux. Amen. Voilà pourquoi le frère Abraham dit, j'ai un grand Seigneur qui vient. Alléluia. Amen. Mais je dois toujours parler de lui. Amen. Pourquoi vous voulez me limiter à 35 minutes, à 20 minutes, Billy Paul? Avec des témoignages comme ça, une personne qui était alcoolique, prostituée, dévergondée, abandonnée, un cas désespéré, Dieu, n'est-ce pas, la prend, cette femme. Elle était comme une sorcière misérable pour en faire une sainte. Amen. C'est vous et moi. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, si nous regardons comme nous chantons, n'est-ce pas, et que quand tu as vu ce nom-là, quand nous allons entrer au ciel, les anges vont se poser la question. Parce que la joie que nous avons dépasse la joie que les anges ont. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yahweh à la côte biso. Donc la plupart d'entre nous, Dieu nous a ramassés, non pas tout près de vous, mais dans la boue. Amen. Ça, voyez-vous, c'est pourquoi quand nous dansons, parfois nous sommes extravagants. Amen. Nous savons plus nous contrôler parce que nous savons d'où nous sommes partis. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons, n'est-ce pas, là-bas, Josaphat, nous avons Akab, nous avons Jézabel. Et le frère Branham dit ici que nous pouvons arriver, n'est-ce pas, sans le vouloir, à faire une mauvaise fréquentation. Ça, c'est vrai. Et ce qui peut nous arriver, ce serait le cas, par exemple, n'est-ce pas, de cette Rosella ou de Lot. Parce qu'il n'a pas vu derrière cette vallée, Sodome et Gomorre. Et très souvent, frères, les désastres, les drames, la mort, les conséquences néfastes et parfois irréversibles n'arrive pas du jour au lendemain. Non, monsieur. Non. Parce que le frère Branham montre que la femme de Lot arrivée là-bas est devenue, n'est-ce pas, une femme importante qui faisait la politique. Une grande référence, donc elle a prospéré. Lot aussi est devenue, n'est-ce pas, peut-être mère de la ville. Mère de la ville. Alléluia. Amen. Ah, des choses
brillante. Si c'est Dieu qui vous les donne, tant mieux. Mais il y a les péchés là-bas. À Sodome et Gomorre. C'est la perversion, n'est-ce pas, qui règne. Mais Lot ne pouvait pas voir que plus tard, sa femme allait être transformée en colonne de sel. Alléluia. Non, il ne voyait pas ça. Il aurait dû rester, n'est-ce pas, avec le prophète Abraham. Alléluia. Ainsi donc, nous voyons Josaphat, n'est-ce pas, qui va fréquenter son frère. Et c'est donc son frère. Effectivement, c'était son frère. Son frère Akab. Mais lorsque Akab lui a présenté tellement, n'est-ce pas, il lui a présenté, n'est-ce pas, les éminents prophètes, l'école des prophètes, des gens qui étaient vraiment bien instruits, avec leur uniforme ecclésiastique, c'était vraiment frappant. Il lui a présenté des choses éclatantes. Mais dans tout ça, Josaphat a remarqué que, bon, il ne faisait nulle part mention de Jéhovah. Vous voyez, frère, depuis que nous sommes rencontrés, on n'a même pas prié. Il n'y a aucune mention, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Amen. Tout ce que j'entends ici, c'est que, n'est-ce pas, c'est la Belgique qui a gagné. Vous voyez, les diables rouges, ils ont gagné. Depuis que je suis venu chez vous, frère, on ne parle que de ça. Bon, parfois on supporte. On doit quand même supporter. Bon, je suis chez les frères, je suis un peu à sa merci, mais ça, là, tu commences à dire que non, il faut que je parte. Amen. Amen. On est assis, n'est-ce pas, au salon. L'écran, c'est les matchs qui passent. Mais moi, je suis ici, l'écran est là-bas. Mais je vais regarder. Je suis un homme. C'est vrai. Mais vous en faites pas, j'essaie toujours d'attirer à regarder pour voir mais qui va marquer les buts. Ne nous voilons pas la face. Amen. Quand tu mets, n'est-ce pas, cette chose devant là-bas, qui que tu sois, tu vas commencer à regarder. Amen. Un jour, on était chez un frère, avec le pasteur, et puis on parlait, on essaie un peu d'apporter l'exhortation, et ainsi de suite. Bon, il y avait la télévision qui était là-bas. C'était innocent, on montait, n'est-ce pas, des hommes qui étaient pas, n'est-ce pas, sur les montagnes, il y avait la neige, et tout ça, c'était bien. Bam, 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 bam. Bon, nous, on parlait de la parole de Dieu, et puis ça continuait. Et puis, 30 minutes après, non, mais tout était bien. À un moment donné, toujours la même, c'était innocent, il n'y avait rien. Bah, et puis ça a changé. Bon, les pasteurs étaient là, j'étais ici, la soeur était là-bas, le frère était quelque part là-bas, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les yeux regardent, n'est-ce pas, des abominations devant nous. Alors, la soeur dit, appelle-toi, viens, allons changer la télévision, viens, mais on a tous déjà regardé. Vous criez après, le pasteur, votre pasteur, le frère Jean-Béni, toi-même, l'enfant, tout. Mais quand on va éteindre, on a déjà regardé tout ce qu'il y a là-bas. Sans commencer, il n'y avait pas de problème. Vous voyez, il faut fuir jusqu'à l'apparence même du péché. Parce que nous allons nous gêner. Vous savez, les gens du monde, eux, ils n'ont pas de frein. Même au travail, ils peuvent dire des conneries devant tout le monde. Ils ne connaissent pas que, ouais, les hommes connaissent, il est âgé. Non, vous êtes tous des gens, des pierres, des ceci. Il n'y a pas de respect. Tout ça, c'est bien. Mais ils vont commencer à faire des histoires. Vous savez, alors, vous devez fuir jusqu'à l'apparence du péché. Parce que vous allez enregistrer ces images obscènes. Partir avec cela, oh mari de nuit, forme de nuit, mais c'est parti d'où? Ça se vrai. Alléluia. Alors donc, Josaphat dit, depuis qu'on est là-bas, pas d'espace et tout. Tout ça c'est bien, c'est pas mal. C'est la politique. Kabila doit partir. Lui, il doit partir. Nous voulons qu'il parte. Mais celui qui va venir, il va faire comme lui. Mobutu doit faire, lui il a fait, l'autre vient, il fera la même chose. Parce que le frère Branham dit ceci, il n'y a plus d'espoir pour ce monde. Alléluia. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Ce n'est pas que nous souhaitons le mal alors que nous-mêmes nous sommes, n'est-ce pas, des Congolais. Des cœurs, des sangs. Nous voulons que ce pays prospère. Nous avons tout pour pouvoir prospérer. Mais on a quel type d'homme et quelle mentalité là-bas? C'est ça le problème. Alors donc, Akab dit, plutôt Josaphat dit, mais on est là depuis longtemps. Il pose la question.
lui a posé la question, il dit, crois-tu toujours en Jéhovah? Quand on vous pose cette question, vous devez revenir en vous-même. Comment les frères me posent une question comme ça? Crois-tu toujours en Jéhovah? Est-ce que je vais trouver ça? Je ne sais plus où j'ai mis ça. Une question difficile. Crois-tu toujours en Jéhovah? Bon, je ne le trouve pas ici. C'est pas où j'ai mis ça. Si je commence à chercher là-bas. Ah, c'est ça, c'est là. Il dit ceci. Il a reçu beaucoup d'éclat et Akab lui a montré toutes les choses éclatantes. Ça, nous tous nous aimons, même moi aussi. Hein? Ah, nous tous. Je pense que Josaphat doit lui avoir demandé ceci. Crois-tu toujours en Jéhovah? Amen. Donc, un frère qui vient vous rendre visite, quand il commence à vous poser la question, crois-tu toujours en Jésus-Christ? Crois-tu toujours au message? Ça. Parce que les signaux que je viens de voir ici, les choses n'est-ce pas brillantes, commencent à susciter un doute dans mon cœur. Ça, c'est vrai. J'ai beaucoup patienté. Ça, c'est vrai. Maintenant, je dois pouvoir parler. Ça, c'est je ne veux pas aller en parler, n'est-ce pas, au frère X ou Y. Non, je vous pose à vous directement la question. Crois-tu toujours en Jéhovah? Parce que souvent, c'est quoi? J'ai tout vu, je vais à côté, mais ce frère-là, mais je ne comprends pas. Non, parle-lui, pose la question. Amen. Frère, crois-tu toujours dans le message? Comme ça, on va terminer, on va parler un peu avec respect, mais on parle quand même, n'est-ce pas, du message. Amen. Très bien, tu dis maintenant. Quand vous voyez le monde vous inviter quelque part, souvenez-vous, il est juste que son intérêt personnel, voyez? Et jeune dame, vous qui venez d'une famille chrétienne, qui n'avait jamais fumé ou bu, quand cette autre fille essaye de vous donner une cigarette, elle ne vise que son intérêt personnel. Ce jeune homme qui veut vous amener à la danse, il ne vise que son intérêt personnel. Voyez, faites vraiment attention, gardez-vous de vous joindre à cette compagnie-là. Tenez-vous-en éloigné, peu importe combien les gens semblent être bons. Fuyez l'apparence même du mal, Amen. Dit la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Restez-en éloignés. Ne considérez pas comment vous pouvez vous approcher de cela sans péché. Voyez combien vous pouvez en être éloigné. C'est la chose à faire. Ne voyez jamais combien vous pouvez vous approcher de cela sans péché. Voyez combien vous pouvez vous en éloigner. Vous suivez? Amen. Donc, un chrétien va tout faire pour s'éloigner du péché. Amen. Et non pas dire, moi, je vais m'asseoir, marcher, n'est-ce pas, avec les moqueurs, sans les moquer les autres. Amen. Ou je vais m'asseoir, n'est-ce pas, avec les fumeurs, sans jamais fumer. Je vais marcher, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, ceux qui se bagarrent, sans jamais me bagarrer. Un jour, Amen. Vous ne saurez pas quand vous allez commencer à fumer avec les autres. Amen. Et vous allez commencer à voir difficile même à venir ici à l'église. C'est vrai. Parce que vous êtes allé dans une mauvaise compagnie. Amen. Et ça vous entraîne sans que vous le sachiez, ça que vous le vouliez. Ça, c'est vrai, que Dieu te bénisse. Le retour devient difficile. Amen. C'est ce qui a poussé beaucoup de frères à abandonner le message. Beaucoup. Ainsi donc, n'est-ce pas, nous voyons que Josaphat est allé là-bas, mais Akab avait derrière sa tête autre chose. Il poursuivait un intérêt personnel. C'était quoi? Impressionner son frère qui veut lui rendre visite et introduire, n'est-ce pas, une demande. Vous savez, quand on vous a conditionné, vous êtes tellement bien accueilli, il y a tellement de choses apparentes, tout ça c'est bien. Écoutez frère, on ne veut pas être, n'est-ce pas, négatif. Accueillez bien, n'est-ce pas, les visiteurs. Un chrétien, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a l'hospitalité. Amen. Mais néanmoins, il reste toujours un chrétien. Amen. Il ne va pas, n'est-ce pas, chercher une contrepartie. Non. Si j'ai une demande, je la pose sans chercher une contrepartie. Voyez-vous, c'est un chrétien. Mais ici, à Cab, il a rusé. Tout ce qu'il fait ici, c'est qu'il a amené à un moment donné, il dit, mais... Écoute, mon frère Josaphat, heureusement que tu es quand même, tu es arrivé.
en fait, j'ai un problème ici. C'est bon? Oui, mais c'est quoi? Il dit, mais Ramoth en Galade, c'est une portion du territoire au nord d'Israël qui est occupée par les Syriens. Mais cette partie du territoire appartient à Israël. Et le frère Branham dit que l'ennemi peut même vous citer les Écritures. Ça, alléluia. Amen. Pour vous avoir, il sait que vous êtes chrétien. Il va même vous présenter les Écritures. Mais le problème, souvent, c'est qu'il vous montre une partie des Écritures, mais ne donne pas toutes les autres parties. C'est ça. Et si vous travaillez seulement avec une partie, vous risquez d'avoir des problèmes. Amen. C'est ça le problème. En effet, Ramoth en Galade était occupé par les Syriens qui appartenaient, n'est-ce pas, au royaume d'Israël. Et il dit, mais mon frère, tu sais que ce qui m'appartient, t'appartient, c'est vrai. C'est un même royaume. Il dit, alors quoi? Il dit, mais oui, unissons nos armées pour combattre l'ennemi, les bouter dehors et récupérer, n'est-ce pas, la portion du terre qui nous appartient. Vous voyez? Une demande correcte. Bonne. Et jusque-là, quand Josaphat a entendu cela, il dit, ok, c'est bien. Mon armée sera ton armée. Mes chars sont tes chars. Mes hommes sont tes hommes. Mais quand il s'agit de la guerre, consultons d'abord l'Éternel. Alléluia. Ah, c'est ça, n'est-ce pas, les points importants que nous devons retenir. Je ne veux pas fatiguer, on peut avancer. Alléluia. Quand il s'agit de la guerre, Dieu combat pour les saints. Amen. C'est Dieu qui combat pour Israël. Ça, c'est vrai. Mais frère, c'est bon. Je suis d'accord avec vous, mais consultons d'abord l'Éternel. Amen. Il lui a posé la question, quoi dit toujours en Jéhovah? Oui. Bon, comme tu poses cette question, n'est-ce pas, le problème ici, c'est Jéhovah qui doit s'en occuper. Amen. Ce n'est pas toi et moi, non. C'est une question qui engage Jéhovah. Alléluia. Amen. Consultons d'abord Dieu. Amen. Si vous n'avez pas l'habitude de prier, vous avez seulement n'est-ce pas, des choses apparentes. Ça va être compliqué. Il dit, ok, ça va. Mais j'ai mes hommes ici. Mm-hmm. Tout était bien préparé. Hein? Il avait 400 prophètes. Mais quel prophète? Des prophètes qui étaient venus d'hier. Mm-hmm. Par la religion de Jézabel. Tu n'avais plus, n'est-ce pas, la vision prophétique de la parole de Dieu. Tu ne lisais plus le message. Qui était bien soigné, bien traité, bien, n'est-ce pas, payé. Qui avaient des maisons, ils étaient, n'est-ce pas, sous le patronat, n'est-ce pas, du roi Akkar. Mais quand vous dépendez ainsi de cet homme-là, mais vous devez lui rendre aussi, n'est-ce pas, une contrepartie. Lui rendre, n'est-ce pas, l'appareil. Et il savait qu'il pouvait les consulter en pareil cas. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre, n'est-ce pas, 2 Timothée 4 ou 2 Timothée 3? Donc, nous prenons 4. Bon, je vais m'amener ça ici, je vais lire, le temps que je cherche. 2 Timothée 4, 2 à 4. 2 Timothée. Ça, c'est Galate, c'est Éphésiens. 2 Timothée 4, je l'ai. Donc, 3. Non, 2 d'abord. C'est ici. Ah oui. Donc, 2 Timothée 4, je lis les 2 à 4. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. Ça, c'est ce qui est recommandé, n'est-ce pas, à un prédicateur qui n'est pas encore tiède. Alléluia. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen.
Amen. Supporte la souffrance. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Acab voulait entendre des choses agréables. Et il s'est entouré d'une foule nombreuse de docteurs. Et dès que l'occasion, n'est-ce pas, s'est présentée, il dit, mais viens, on va, n'est-ce pas, consulter les 400 prophètes bien formés, bien conditionnés. Effectivement, on a été les consulter. Et ils ont commencé, n'est-ce pas, à faire leurs incantations. À impressionner. À impressionner. À crier. Alors, leur chef, c'est le Sias. Parce qu'ils avaient un chef, il y avait une hiérarchie ecclésiastique, un pape ou un docteur ou un archevêque ou je ne sais pas quoi. Il a pris les fins de cornes de fer et il a commencé, n'est-ce pas, à sauter, à crier. Tout cela, c'est des limitations. Il pourrait dire, ah, vous pouvez aller en guerre. Dieu va vous délivrer. Avec ces deux cornes ici, ça montre, n'est-ce pas, les cornes, c'est la puissance, non? Ouais. La puissance de Dieu, n'est-ce pas, est là. Vous pouvez aller en guerre. Ainsi donc, ils ont prophétisé la victoire en faveur du roi Acab. Alléluia. Amen. 400 prophètes tièdes, conditionnés, nourris, habillés, logés par Acab. Mais Josaphat a trouvé que c'était bizarre. Ce que dit le frère Branham. Il a eu un sentiment bizarre. Le son n'était pas clair. Amen. Pourtant, il y avait 400 prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit que c'est sur la base, n'est-ce pas, de deux ou trois témoins qu'une affaire sera réglée. Alléluia. Amen. Mais s'il y en a 400, c'est amplement, de loin amplement suffisant pour croire et accepter que ceci est la volonté de Dieu, que nous serons des vainqueurs. Josaphat avait posé la question, crois-tu toujours en Jéhovah? Alléluia. Amen. Ensuite, consultons qui? L'Éternel. Amen. On a consulté 400 prophètes. Josaphat, mais ce n'est pas fini, non? Est-ce qu'il n'y a pas un autre? Amen. Nous avons vu que c'était un véritable chrétien. Amen. Un chrétien authentique. Parce que la boussole là-bas indiquait qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Amen. Alléluia. Amen. Frère, si vous avez le Saint-Esprit, vous direz toujours non, ce n'est toujours pas juste. Amen. Il y a quelque chose qui manque. Amen. Même les doctrines fausses que nous écoutons ici. Oui. Même si tu n'as pas lu la chose, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Amen. Alléluia. Ça c'est vrai. Josaphat n'a pas évoqué l'écriture. Il dit, ben, il n'y a pas un autre prophète. Mais ça, c'est encore, n'est-ce pas, un reproche. Une interpellation. Il lui a posé la question, crois-tu en Jéhovah? Consultant l'Éternel. Il a entendu tous les messages et les visions et les songes qui ont été proclamés. Il dit, mais, non, non, non. Il n'y a pas un autre. Amen. Frère, Amen. Vous n'allez pas tromper le fils de Dieu. Amen. Hein? Le fils de Dieu, même s'il n'a pas étudié, il a dit que même l'insensé ne va pas se perdre. Alléluia. Ce n'est pas un problème d'études. Amen. Ou de la couleur de la peau. Amen. Non, monsieur, Amen. Il y a quelque chose, oui. Une représentation de la vérité que Dieu a placée dans les cœurs de ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il est assis là-bas, on ne le voit pas. Mais il sait, elle sait. Oui. Si c'est vrai ou si c'est faux. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous guider dans toute la vérité. Il n'y en a pas un autre. Alléluia. Alors la réponse vient. Si, si, il y en a un autre, mais celui-là, je le hais. Je le déteste. Oh, que le roi ne parle pas ici, dit, n'est-ce pas, son collègue, le roi Josaphat. Non, que le roi ne parle pas ainsi. Qu'on le fasse venir. Amen. Amen. Et le roi dit, oui, mais c'est Michel, fils de Jimla. Oui, qu'il vienne lui aussi. On va l'écouter. Ah, mais frère, ça c'est une remise en question. Amen. Si tu es pasteur, tu es prédicateur, tu conduis,
C'est une remise en question. Tu devrais, n'est-ce pas, t'arrêter. Non, mais pourquoi? Il faut que je revoie et j'examine. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je fais là. Amen. Et donc le roi, vous voyez que comme il avait ses calculs, il a choisi un messager, un fin diplomate. Mais c'est toujours comme ça. Le roi va choisir, n'est-ce pas, un homme de main. Quelqu'un à qui il a pleinement confiance. Qui connaît les désirs du roi. Il ne va pas prendre n'importe qui. Il a appelé un serviteur. Il dit, bon, on va chercher Michel, fils de Gimla. Le messager a couru. Alléluia. Amen. Avec le message du roi. Et où était, n'est-ce pas, Michel? Quelque part dans la brousse. Retiré avec Dieu en train de prier peut-être. Ou de lire la parole de Dieu. Il entend frapper à la porte. Dans la cabane. Le frère Madame dit ici. Quand tu as dit, oh non, Michel, mais tu es un homme heureux, tu es attendu à la Maison Blanche. Alléluia. Amen. De la cabane à la Maison Blanche. Alléluia. Amen. Ah, frère, vous voyez que dans le royaume de Dieu, le plus petit, c'est le plus grand. Amen. Nous devons changer, n'est-ce pas, les visions. Amen. Pour connaître la volonté de Dieu, ce n'est pas la Maison Blanche. Amen. Vous voyez la place que vous occupez dans le royaume de Dieu. Amen. Devant les hommes, on ne vaut rien du tout. On est comme les sables qu'on piétine. N'est-ce pas? Amen. Mais pour Dieu, nous sommes des étoiles brillantes. Amen. Maintenant, quand le problème se pose, on est allé chercher, n'est-ce pas, Michel, où? Dans la brousse. Pour aller où? À la Maison Blanche. Mais comme c'était un fin diplomate, il dit, écoute, Michel, je viens de la part du roi. Tu es un homme béni et heureux. Aujourd'hui, c'est ton jour solennel. Toujours des choses brillantes. Un discours solennel. Séducteur pour tromper. Ça se va. Alors Michel écoute calmement. Lui, c'est quoi? Écoute, je viens là-bas, le conseil, n'est-ce pas, écuménique, a donné, n'est-ce pas, un message favorable au roi qui doit livrer une bataille contre la Syrie. Toi, fais la même chose. Viens corrompre un prophète. Ça ne passe pas. Non. Amen. Michel a écouté. Oh, des choses brillantes. Je ne suis pas mal. Je ne suis pas malade, plutôt. Non, moi je suis serviteur de l'Éternel. Amen. Je ne dirai que ce que l'Éternel me dira. Alléluia. Amen. C'est ça ce qu'un prédicateur doit faire. Amen. C'est ce qu'un fils de Dieu doit faire. Amen. S'en tenir toujours à la parole de Dieu, coûte que coûte. Amen. Je ne dirai que ce que dira l'Éternel. Amen. Ne commence pas, n'est-ce pas, son discours corrupteur là-bas. Je ne veux pas faire ce que tu dis. Je veux d'abord consulter l'Éternel. Amen. Et il a pris une nuit de prière et de supplication, sachant que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Le vrai croyant n'a pas de doute. Il va prier avec l'assurance que Dieu va lui répondre. Amen. Et Dieu lui a répondu. Amen. Dieu a ouvert les cieux. Alléluia. Amen. Ah oui, il a monté, n'est-ce pas, sur le chemin de la prière. Pour connaître ce qui se passe au ciel. Alléluia. Amen. Ah oui, frère. Ne restons pas terre à terre avec des disputes et des querelles inutiles. Amen. Si on commence, n'est-ce pas, à vous attaquer quelque part, cherchez le chemin de la prière. Amen. Montez, montez. Quand on y prie, ce n'est pas simplement un jour. Continuez à prier. Parce qu'Anne avait un problème, la stérilité, qui a duré longtemps. Mais elle a continué à prier avec foi. Amen. Malgré, n'est-ce pas, les insultes et les moqueries de sa rivale, Anne a continué. Amen. Alléluia. Amen. Et donc là, Dieu lui a ouvert, n'est-ce pas, les cieux. Frère, Dieu existe pour ceux qui le cherchent, le trouvent. Amen. Il a vu les conseils que Dieu avait aussi tenus là-bas. Dieu demandait, mais qu'est-ce que je viens envoyer pour aller séduire Akab? Pourquoi? Parce que Élie le prophète avait prophétisé que Élie allait mourir. Et son sang serait léché par les chiens. Akab. Ah, pardon. Akab plutôt. Amen. Vous voyez? Donc, quand Élie le prophète, n'est-ce pas, donné la prophétie, Élie le prophète était déjà mort. Et Akab savait que Élie était un véritable prophète de Dieu confirmé. Amen. Voyez-vous? Amen. Certainement que dans son cœur, parce que c'est quand même un croyant, dans son cœur, il avait toujours, n'est-ce pas, son cœur s'accusait
Et il se demandait, mais cette prophétie, comment est-ce que je peux échapper à cela? Mais Dieu a parlé, il faut que cela s'accomplisse. Et l'occasion était arrivée, et Dieu lui a montré, il y a un esprit de l'Éternel qui est sorti, dit, moi, je veux aller, et je veux entrer dans les 400 prophètes d'Akab. Je vais les pousser, n'est-ce pas, à lui donner des fausses prophéties. C'est comme ça qu'il ira en guerre. Et là, il va mourir. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu, même ses ennemis les servent. Mm. Même le diable est au service de Dieu. Amen. Il dit, ok, vas-y. C'est comme ça que là-bas, quand ils ont commencé à prophétiser, le véritable croit, non, 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 non. Tout ça, tous ces messages, ça ne va pas. Et Michel est sorti. Il dit, ok, on peut aller par maintenant. Ils sont partis, ils sont arrivés. Et quand il arrive, il trouve qu'ils étaient en pleine ébullition. Les messages qu'on devait être donnés. Et puis lui, il arrive. Et quand il est arrivé, alléluia. Amen. Quand un véritable chrétien arrive, quelque part, il dérange parfois, n'est-ce pas, la communion des gens qui sont là-bas. Amen. Parce que tout sauf que, ah, maintenant il est venu ici, mais il y a certaines choses qu'on ne va même plus ne laisse pas dire ici. Ça c'est vrai. Parce qu'il va commencer, non mais il devait ne pas être là. Ça c'est vrai. Vous devenez, n'est-ce pas, un élément encombrant. Oui. Encombrant. Amen. Alors le roi, il disait, aïe, aïe, aïe. C'est qu'en définitive, Akab savait que c'est ce que Michel allait dire qui allait compter. C'est qu'en définitive, Akab savait que Josaphat n'avait pas confiance dans tout ce qui était fait avant. Mm-hmm. Et Michel est arrivé, il dit, oh, mais allez en guerre, allez-y. Akab dit, dans cette façon de parler, là, dans ça, c'est pas comme ça. Je te connais. Combien de fois je dois te pousser à jurer pour me dire la vérité? Puisque tu veux entendre la vérité, écoute, Akab. Écoute la vérité, mes frères et sœurs. Et moi, la vérité, même si elle doit nous blesser, mais c'est la vérité qui va nous affranchir, Amen. Nous délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas autre chose. Amen. Ne cherchons pas à écouter les choses qui sont agréables à l'oreille. Amen. C'est vrai. Hein? Pour, n'est-ce pas, nous plaire, un chrétien cherche à connaître la vérité de Dieu. Amen. Alléluia. Ah, c'est vrai. Amen. Non, ne cherchons pas à faire notre volonté. Nous prions que ta volonté soit faite. Amen. Il dit, je vis Israël, n'est-ce pas, comme un troupeau de brebis dispersé. Sans berger. Dispersé. Il dit, voilà, je t'avais dit. À mon égard, ils ne prophétisent que de malédiction. Je t'avais dit. Oh, mais c'est la vérité pourtant. Et le frère Branham nous conseille. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faisait et qu'est-ce qui fait la force d'un croyant, d'un prophète, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Akab avait les Écritures qu'il avait présentées à son frère Josaphat. C'est vrai que cette portion de la terre, n'est-ce pas, lui revenait. Ok? C'est juste. Mais il avait une partie des Écritures. Parce qu'il y avait une autre Écriture qui avait prophétisé, n'est-ce pas, sa mort dans la guerre. Qui ne pouvait pas présenter. Par contre, Michel, quand il est allé prier, il a prié Dieu, il a prié, et il a reçu, n'est-ce pas, la vision. Frère, quand vous recevez une vision, ne commencez pas encore à chanter. Un songe, ne commencez pas encore à crier. Un message quelconque, comme quoi ça vient de Dieu, soyez toujours calme. Amen. Faites comme Michel, comme Branham, comme tous les prophètes. Un ange qui vous apparaît. Non, soyez calme. Amen. Vous me suivez? Amen. Parce qu'il y a un homme, Martin Luther. Mm-hmm. Un ange lui est apparu. Et cet ange lui a dit, Martin, adore-moi, je suis Dieu. Martin est resté calme. Il n'a pas dit, un ange vient de m'apparaître, veux-moi, je suis un serviteur de Dieu. Non, il est resté calme. Il a regardé, non, je suis Dieu. Il a regardé cet ange-là, il avait une couronne. Il dit, je suis Jésus. Non, lui, c'est toi, tu n'es pas Jésus. Tu es le diable. Allez, sort. Amen. C'était un ange. Il a chassé ce démon, le diable, il est parti. Amen. Vous voyez. Et après que, même si un ange venait ici, vous prêchez, n'est-ce pas, un message contraire à ce que nous vous avons apporté, qu'il soit anathème.
Amen. Donc, toute la puissance de Dieu et du croyant et du prophète, c'est la parole de Dieu. Et donc, le frère Branham dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, n'est-ce pas, la vision qu'il a reçue de Dieu. Il a comparé la vision avec les Écritures. Toutes les Écritures, il a vu que sa vision était conforme, n'est-ce pas, à la prophétie du prophète Élie. Un prophète qui vient ne va pas, n'est-ce pas, s'opposer à un autre. Amen. Il a compris que, ah, voilà, c'est juste. Amen. C'est alors qu'il est parti ferme. Et il s'est dit, non, mais quand est-ce que l'Esprit de Dieu m'a quitté pour venir sur toi et te parler? C'est comme si c'est lui qui a l'exclusivité, le monopole du Saint-Esprit. Dieu ne peut parler qu'avec lui. Il ne sait pas que c'est un mauvais esprit, un esprit de démon qui, n'est-ce pas, était en lui. Et il a frappé, n'est-ce pas, Michel? Vous voyez, frère, les mauvais esprits, on peut le voir. Ils ont même caractérisé la colère. Un homme qui a la vérité, il est calme. Parce qu'il sait que ce que je dis ici, ça vient de Dieu et c'est vrai. Amen. Bien, réveillez-vous, je dois arrêter parce que tout le monde dort là. Alléluia. Amen. Réveillez-vous. Bon, je vais être court là, je vais arrêter. Donc, n'est-ce pas? Nous voyons que finalement, Michel a donné pas sa prophétie. C'est des siècles, dit non. Il a frappé, dit bon, toi tu vas voir. Quand tu vas commencer à fouiller d'une maison à l'autre, tu sauras que ce que j'ai dit vient de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Calmement comme ça. Et Akab, toujours résolu, n'est-ce pas? Au lieu de s'arrêter, non. Il va quand même, n'est-ce pas, à la guerre. Il emporte aussi, n'est-ce pas, Josaphat. Il dit, prenez-moi Michel, mettez-le en prison. Nourrissez-le, n'est-ce pas, de pain de d'affliction. Quand je reviendrai, je m'occuperai de lui. Il dit, si toi tu reviens, Dieu ne m'a pas parlé. Amen. Alléluia. C'est tout. Amen. Il n'a pas prononcé des malédictions. Il a parlé une fois. Il sait que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Les cieux et la terre passeront, amen, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Le frère Branham nous montre ici, frère, que nous avons des promesses dans la Bible, merveilleuses, que Dieu nous a données. Ses promesses sont infaillibles. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a dit doit toujours absolument s'accomplir. Amen. Il faut que Dieu trouve la foi. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Dieu cherche qui a la foi. Amen. Et la foi est une ferme assurance. Alléluia. Amen. Celui qui a la foi ne lâche pas. Tant que Dieu n'a pas encore répondu, je ne lâche pas. Amen. Nous avons des frères ici qui n'ont pas de papiers. Tant que Dieu n'a pas donné de papiers, on ne lâche pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu, n'est-ce pas, nous a promis. Amen. Nous avons, n'est-ce pas, les Écritures. Continuons à prier. Amen. Anne a été persévérante dans la prière. Amen. Année après année. Amen. Le frère Branham dit que Dieu, quand vous faites ça, il va réunir un conseil, amen, au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va réunir un conseil au ciel. Amen. Pour que une solution soit donnée pour ses enfants sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il attend de nous. Amen. Il dit, il n'y a pas de vertu pour celui qui ne fait que se plaindre et murmurer. Pour celui-là, il n'y a pas de solution. Il n'y en aura jamais. C'est ça qui détruit, n'est-ce pas, la foi. Vous suivez? Amen. Si vous êtes avec quelqu'un qui fait que se plaindre, il n'aura jamais rien, au contraire. Sa situation va s'empirer davantage. Il va en mourir. Mais tant que Dieu n'a pas encore, n'est-ce pas, donné la solution, nous allons prier jusqu'à ce que la chose arrive. Alléluia. Pas des choses brillantes. La vérité de Dieu. Amen. Nous avons le message des prophètes dans le camp. Alléluia. Amen. Oh, les choses brillantes. Mais il y en avait un, n'est-ce pas, avec les rois Saül. Saül avait des choses brillantes. La Bible dit qu'ils dépassaient tous d'une tête. Donc, quand il se tient, on voit, la première personne, on voit, c'est Saül. C'est comme Mobutu. Une démarche vraiment d'un maréchal. Quand il est là, tu sens, non, ça c'est le président Mobutu qui passe. Il est imposant, il a une taille vraiment, on dit non, ça c'est vraiment un chef. Par sa taille, par son apparence, par les discours, quand il parle, sa voix est unique.
On le reconnaît, n'est-ce pas, par sa physionomie, mais aussi sa voix. Mais c'était un homme extraordinaire. Vous voyez, c'était ça, Saül. Alléluia. Amen. Mais quand l'ennemi s'est présenté, ces choses brillantes n'ont rien fait. Alléluia. Amen. Même dans le message, frères et sœurs, ne suivons pas les choses brillantes. Amen. Un chrétien, dit le frère Branham, doit rayonner. Amen. Par le Saint-Esprit. Amen. Pas par des discours persuasifs. Alléluia. Et Saül avait des choses brillantes. L'ennemi était là menaçant, insultant l'armée de Dieu. Lui qui avait la taille qu'il fallait, l'éloquence et le discours qu'il fallait, il ne pouvait rien faire. Rien du tout. Amen. Mais un enfant, elle venait pas de la bourse. Oui. Alléluia. Amen. Il avait quoi? Christ. Amen. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, j'aimerais pour terminer qu'on lise quand même quelque chose dans la Bible. Oui. Prenons de 2 Chroniques 20, 15. 2 Chroniques 2 Chroniques 25, le dit, et Jacques Aziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la récompense d'un bon, croyant. D'un croyant authentique. Amen. Alléluia. Amen. Frère, l'amour de Dieu pour ceux qui croient dans sa parole. Oh, merci Seigneur. Il dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Tim. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Oui. Alléluia. Amen. Présentez-vous. Tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point demain. Sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez affermir, n'est-ce pas, votre maison, votre bien. Travail, n'est-ce pas, vos activités, vos affaires, votre vie. Voici, n'est-ce pas, la solution. Amen. Amen. Comme Josaphat était un croyant authentique, véritable, lui aussi a eu, n'est-ce pas, des attaques extérieures, des Moabites, des Édomites au sud, contre son royaume. Il était menacé. Mais regardez, lui, il avait, n'est-ce pas, une intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il connaissait son Dieu. Amen. Si vous lisez, n'est-ce pas, tout le chapitre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni, n'est-ce pas, son peuple pour un moment de prière et de supplication. C'est comme ça que Dieu, n'est-ce pas, est descendu et a parlé au travers, n'est-ce pas, de ce frère ici. Amen. Alléluia. Amen. Prenons le 20-20. Le lendemain, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. » Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Alléluia! N'avons-nous pas un prophète dans le camp? Ce Dieu-là n'est pas avec nous. Non, nous ne pouvons pas avec, n'est-ce pas, un prophète dans le camp, et ce même Dieu avec nous, professer, n'est-ce pas, la défaite. Non, nous ne jouerons jamais. Amen. Alléluia. Jamais, Amen. Jamais, jamais, frère. Amen. Jamais.
Le combat peut être rude et long. Ça, c'est sûr. C'est un combat. C'est une guerre. Ça, c'est vrai. Alléluia. Amen. Mais dans une guerre, il y a, n'est-ce pas, des épisodes. N'est-ce pas? Des épisodes. Mais ce qui compte, c'est l'issue, n'est-ce pas, de la guerre. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, tenez ferme et priez jusqu'à ce que... Amen. Alléluia. Amen. Oh, amen. Ne nous décourageons pas. Problème de maladie, amen. Nous avons la promesse de la guérison divine. Amen. Alléluia. Amen. J'ai prié, je ne vois rien, je continue à prier. Les frères Branham ont repris les mêmes exemples. Amen. Il dit à Abraham, il a attendu. Il attendait la vieillesse, il faisait, n'est-ce pas, que ça ajoutait. Jour après jour, il vieillissait, il faiblissait. Il priait. La vieillesse et la mort arrivaient. Il y avait de quoi désespérer. Ça, c'est vrai. À vue humaine, il s'éloignait, n'est-ce pas, de la possibilité d'avoir, n'est-ce pas, cet enfant promis. C'était impossible. Alléluia. Amen. Mais ce qui est bien, il a gardé contact avec Amen. Dieu. Amen. Il a donné, n'est-ce pas, d'une vision à une autre. D'un songe à un autre. Tout au long, n'est-ce pas, de sa vie. Voyez-vous, tout au long de sa vie. Et nous sommes la postérité d'Abraham qui doit posséder toutes les portes de l'ennemi. Amen. Ne soyons pas indifférents face aux promesses qui nous reviennent. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, Dieu n'aime pas les indifférents. Amen. Des gens qui sont tièdes et froids devant la parole de Dieu. Vous êtes là à regarder, à attendre. Non, non, ça vous appartient. Amen. Alléluia. Amen. Combattons. Amen. Si Dieu nous est favorable, nous posséderons le pays. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le langage, n'est-ce pas, d'un croyant. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Le frère Branham dit ici que si nous prions, Dieu tient un conseil au ciel. Amen. Et voilà la réponse ici, n'est-ce pas, du temps de Josaphat. Ils étaient entourés. Mais regardez Dieu qui donne des instructions. Ils sont à tel endroit, ils vont passer par là, par là, par là. Alléluia! Amen. Oh frère, si je me mets, n'est-ce pas, à vous donner quelques témoignages ici, mais non! Non! Nous, on a habité, n'est-ce pas, dans un bastion, un quartier rempli de sorciers. Tout le quartier, on ne savait pas. Mais Dieu nous garde! Amen. Nous, toujours! Mon épouse pour, n'est-ce pas, voir ses jumelles, parce qu'elle est bénie, c'est une jumelle. Ouais. C'était un jour où elle et moi n'attendait pas qu'elle allait accoucher. Mais c'était dans le plan, n'est-ce pas, de l'ennemi de la tuer au moment de l'accouchement. Mais Dieu est là. Alléluia. Amen. C'est plus tard que nous avons été informés par, n'est-ce pas, des messages que voilà, les plans, c'était tel. Et les personnes en question, on les a vues, on leur a parlé, ils ont avoué. Alléluia. Amen. Donc, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, frère. Amen. Nous combattons contre les puissances. Amen. Ce n'est pas une question d'hier, mais d'aujourd'hui et de maintenant. Amen. Ne négligeons pas, n'est-ce pas, le message que nous avons reçu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a ses yeux sur nous. Merci. Et nous tournons le regard vers Jésus-Christ. Amen. À nous, n'est-ce pas, revient la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mon Dieu, je ne sais pas. Je vois, n'est-ce pas, il y a des citations que j'avais prises. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Bon. Alors, je vais dire une petite chose. Une petite chose, la dernière. Le paragraphe 59. Au milieu là, il dit, quand Jésus était ici sur terre, lui le plus grand de tous. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Qui parle ici? Le frère Branham. Il dit que Jésus était quoi? Le plus grand de tous. Lui y compris. Amen. Je répète que Jésus était le plus grand de tous. Branham aussi compris dans cette histoire-là. Ça, c'est vrai. Parce que c'est un mauvais esprit qui a donné au frère Branham la plénitude de la divinité. Ça, c'est vrai. Moi, écoutez, je m'insurge. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est Branham qui parle. Il est clair. Amen. Beaucoup lui ont attribué la plénitude de la divinité. C'est qu'il était Dieu. On nous dit que donc, quand le ciel est ouvert, Dieu était entré en lui, c'est pourquoi il y avait le silence. Ah!
Et ça, j'entends même des chansons que nous avons achetées ici. Oh, il est le Messie des nations. Mais le frère Branham, le messager dit que Jésus était qui le plus grand de tous. Ce n'est pas suffisant. Le plus grand de tous. Il n'y a jamais eu un homme comme lui. Amen. Et il n'y en aura jamais. Ce n'est pas suffisant. Dieu était en Branham. Oui, je le crois, frère. Je le crois. Branham a dit la parole faite chère. Je le crois. Mais comment donc? Le prophète doit être un avec, n'est-ce pas, le message? Amen. Est-ce pour autant qu'il avait la plénitude de la divinité? Non. Non, messieurs. Non, c'est révoltant. Il dit, il n'y a jamais eu un homme comme lui et il n'y en aura jamais. Jamais. Ce n'est pas suffisant. Yes. Amen. Ça, ce sont, n'est-ce pas, des principes. Amen. Yes. Amen. Quand on parle d'un principe, ça veut dire que c'est une loi, oui, qu'il faut respecter pour pouvoir faire quelque chose. Si vous êtes un prédicateur, vous trouvez que Branham dit que bon, je suis Dieu dans la chair humaine, oui. Mais ceci, il faut que cette inspiration que tu as là, il faut que cette inspiration soit plus cadrée. Oui, c'est ça. Avec le reste des Écritures. Amen. Amen. C'est ça la force de tout croyant. Amen. La force d'un croyant, c'est ça. Amen. La parole de Dieu. On peut tout expliquer dans tous les sens, mais appelons les frères, dit frère, assieds-toi. On prend les principes. Le frère Branham dit, nul n'a jamais atteint le niveau qu'avait le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le niveau, c'est quoi? Si c'est une hauteur, si Jésus est là, personne ne peut arriver, n'est-ce pas, cette hauteur-là. Amen. Si c'est une profondeur, si Jésus est ici, personne ne peut arriver là-bas. Amen. Si c'est dans notre sens, personne ne peut arriver, n'est-ce pas, à ce niveau là-bas. Ni en hauteur, ni en profondeur, ni en largeur. Amen. Impossible. Amen. Il dit, nul n'a jamais atteint. Il n'a pas dit sauf moi. Nul. Amen. Titre de la prédication. Amen. Je vais apporter une citation la prochaine occasion. Je vais apporter ça. Il faudrait qu'il y ait peut-être une prédication là-dessus. Amen. Parce que je vous dis, frère, j'ai vu ça à l'internet, c'est sa pilule. Oui, oui. Il y a des gens, mais je ne sais pas. Il dit que non, Jésus était le type. Et c'est Branham qui est la réalité. Fausse doctrine. Et quand il parle. Oh. Donc, quand vous construisez, n'est-ce pas, la maison, il y a des principes dans la construction. Si vous respectez les principes, votre maison, n'est-ce pas, sera érigée. Un assemblage, n'est-ce pas, cohérent et harmonieux jusqu'à la fin. Mais si quelque part, vous avez, n'est-ce pas, négligé quelque chose, vous avez retrouvé que, n'est-ce pas, votre maison commence à pencher comme ça avec le temps. Ils ont pour refaire. C'est pourquoi le message de frère Branham est parfait. C'est nous qui sommes devant vous et nous avons la responsabilité de vous lire le message parce que c'est ce que vous devez croire. Amen. Je ne peux pas vous amener ici, n'est-ce pas, un autre Dieu. Hein? Le seul Dieu que Branham nous a pointé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'incomparable. Amen. Le seul véritable Dieu. Et la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui doit enflammer, n'est-ce pas, le cœur de l'épouse. Amen. 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 Viens vous lever. On va arrêter là. Parce que sinon, je n'arriverai jamais à terminer. Et tu peux me bénir. Frère, tu peux venir mettre une chanson pour la fin et puis on va prier. Donc nous n'oublions pas que nous avons ce cas de deuil, c'est notre sœur. On ne doit pas se sentir abandonné. C'est nous qui devons être, n'est-ce pas, à ses côtés.
cœur.